Au Burundi, la matière de succession est la seule importante droit burundais qui n'est pas encore régie par la loi. Malgré que le Burundi a déjà signé et ratifié la plupart des instruments internationaux qui consacrent l'égalité entre les sexes, au moment où sa constitution intègre même ces instruments, la coutume burundaise, quant à elle, exclut la fille de la succession. Ariko gutorana nti byari bihari nta mukoga yaza gutorana iwabo bamusira igiseke kandi nanya giseke hari naho yakibura afise nk'abasaza we mbugire ngo baramwitaho bakamurungikira ca giseke igiseke yagiheruka nyina hari nase bakihari kuko muramukazi we nta giseke yamutekereye nihereye ku nk'akarorero narigeze kubibona ingene abavukana abakobwa n'abahungu bashiki babo babafata nabi ntibabarabe hama bigatuma iyo yabiriwe bamufata nabi kuko yabuze kimuraba hamwe ababyeyi batakiriho ahantu bataza ku ishuri batasobora ko biga barasobora kugira ko bahereza ububasa byo kugira ngo baharanire iwabo. Actuellement, l'opinion générale et les organisations de la société civile qui œuvrent dans la promotion des droits de l'homme plaide pour un processus de législation en matière de succession pour parvenir au consensus sur le principe d'égalité successorale, ainsi pallier au vide juridique lié à la succession, aux régimes matrimoniaux, les libéralités et promouvoir ainsi un développement inclusif et durable. On a alors développé un thème sur le plaidoyer pour la promotion des droits et surtout les droits des femmes, en se référant à la loi burundaise qui est la constitution qui prône l'égalité, et aussi en développant les différentes conventions internationales auxquelles le Burundi a souscrit, et pour leur montrer en fait qu'ils ont le droit de revendiquer, que les femmes ont le droit de travailler pour que les injustices qu'elles subissent soient bannies. Et donc cela en fait a facilité de traiter le sujet sous la loi sur la succession parce qu'ils comprenaient que c'est une injustice qui est là et qui est véhiculée par la culture et qu'ils comprennent en fait la pertinence de l'adoption de la loi. La société civile ne fait que rappeler le rôle des dirigeants de mettre en application les textes internationaux mais aussi les textes nationaux tels que la constitution. Il n'est pas normal qu'on continue à travailler dans l'obscurité sur une matière aussi importante qu'est l'héritage. Et en plus, ça bloque aussi la question de développement dans la mesure où le code foncier doit s'appuyer sur cette loi pour gérer les terres. Le consensus de la loi sur la succession reste pourtant une problématique. Et sa compréhension au niveau de la population dépend des endroits dans lesquels on se trouve et suivant qu'il en entre dans le fait fond de la société. Je suis très heureux de vous kuko umwana suis yavuka heureux kuvuga vous parler. Kumugabo umugabo très heureux de vous parler. Je suis 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 très heureux de vous parler. Mugabo iyo umukobwa byari iwabo birakwiye kubanganya kuko naho ubu mushira mugahege wubatse mukamwumvikanye n'umugabo wawe ngo tuvanga umuce munganya ubu barenganije abo bandi bo mu rugo iyo bavuye none umwana w'umukobwa akiri kwa sebuka atagowe akise amaho yari n'uguhabwa ikivi ntabwo anganya n'umuhungu oy uramuhi kivi ntabwo yunganya n'umuhungu gasaturu kagurukanganya n'umuhungu mugore. C'est dans cet esprit que l'association de coopération et de recherche
pour le développement, Accor, œuvre depuis 2009 grâce au financement d'Oxfam Intermonde à la promotion des droits des femmes et des personnes vulnérables en augmentant l'accès au contrôle que les femmes et les personnes rapatriées ont sur les terres aussi bien dans les mares que dans les collines. Yo kutwigisha kwa uburyo twokora bino bintu uburyo twokwifata uburyo twoba aborosha b'imitima y'abantu amaze gufata izo nyigisho twaciye hariho imbo twaciye tugomwa nabo turabatanga muri akoro nabo barafata inyigisho kugira badufashe muri uwo mugambi bwa mbere na mbere bwoko abo ba mbere batanga kuca muri izo nyigisho nibo twaciye rutangura guherako kugira ngo babe akarabero kabandi jewe gituma nari nateje gutorana jewe nari nakurikije akaranga ko mu minsi yahera sinari bwazizuke rega naze nazitutse nuko akora aho yigisize sinari bwazizuke namba nagira ati ni nka bimwe bya kera ati bazonzanira igiseke igihe nahatakinzaniye nari napfiriyeyo sinavuga ati Muntate mama takiriho cyane data takiriho musazanze yaririra namura mukazanza kajya nakingereza Rovwe uko izinyigisho zuba zimeze gutanga kamaro kanini cyane 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 hagati y'abantu bubakanye hagati y'umugore n'umugabo ndetse na cyane cyane ibyerekeye ukunganisha abana uvuga hagati n'umuhungu n'umukobwa kubahagaburira ibisigi by'ababyeyi babo ariko ubu n'ukuri ubu aho imashira hamwe azingiye ubu barashobora guharanira iwabo iwabo akavuga ati zewe ngaha ni kwa data na mama ntaho ntahasira ubu biriho kandi barabigira neza ubu nta majambo menshi bakirirwa barapfa n'abasaza babo canke ise dans les communes de Nyazarak et de Kayogoro Domakamba, une province située au sud du pays et frontalière de la République née de Tanzanie, certaines personnes comprennent que le principe d'égalité successorale est possible et applicable, et d'autres comprennent mal la nécessité d'égalité successorale du fait que le système patriarcal dans lequel ils ont vécu depuis longtemps a fini par les captiver et devient difficile pour eux de se détacher, de s'en débarrasser. Aye igikoko gikorekewe muri uru rugo rwacu nuko cyaragize akamaro kanini abana batata bajyana inkokora tewe urimye hanini zese sikiyo ubu ya nkokora yaravuyeyo yaratumbeye nangatamanura yenda abandi babyeyi batasika kuri iyo sema nukuri nibabitse imbere batuvugira ngaha mu ndimo abantu bose baratwumva umubyeyi atarasika kuri icyo kikogwa na bibuzimu azibuntu atunganiriza abana oya abakobwa ntibinganya kweri na twese kuva twaruka abakobwa n'abahungu ntibanganya oya ntibanganya umwana w'umuhungu mpurugo asa na serugo mu rugo ntibanganya n'umukobwa hanaho twose adari umukobwa ameze neza agaruka uwo musaza w'akamubera akamubera se byubahanye aramubera se kandi akamumerera neza Sanzwe mfise basikanze babiri umukumi yagiye kubaka Tanzania ubundi turi kumwe ngaha rero ndabirabye harageze igihe ajyana n'ibyinduru umugabo mutamara aratwumvikanisha musikanze aratugaburira musikanze rero azi gisate nani narahukindi kandi ngenda araba n'inyigisho ngenda afata muri yako niho ni nk'uko nguma mpanura n'abandi bagenzanze yo rwaruka tungana n'abasasiki babo yaba kuba cy'abahungu kugira nabo babyumve kumwe nk'uko nani nabyumvise Abisira mu ngiro nigeze ubu ya muzikanze tubanye neza kandi yarasitiye yarubaka kuri umuhungu wabo apfa kuri mu ntaya rukunda kabisa hamusira biprase yararose aho yubaka naharima hariho mu ntango ari n'imizi ha kandi zewe yarampaye kweraringaniza n'uwo muhungu mukuru zende hafise ariko ntiyaravye ngo umukobwa n'umuhungu ngo bi yararinganize kuko nta mwana n'ikinono kandi nanze ndyatsi neza ko mbakuze njyo baringaniriza nk'uko papa yaturinganiriza kibona aranezewe cyane kubona baratugaburiye kandi narabashimiye nk'ubu nta kintu na kimwe aho turimo imyumbati turi naho aho turimo umuceri turahafise aho turima ibijumbu turi naho iki kintu cyose
nibigazi kandi yaraduhaye kandi jewe narashimye no kuba igihe mutama yatugaburira ku ruhande akaturinganiza namushikanje je na byakiriye neza kuko ubwambere cyatumye ndabyakira neza mushikanje turakundanye ubu nta matati azobaho bivanye nitongo hanyuma ikindi cya kabiri jewe sinabyumva mu gamaze kuze guhabwa inyigisho na akoro naciye numva neza ko kugabura namushikawe rukangana ari bintu byiza cyane kuko iyo banganije ntata matate agaruka hagati muri bo bituma bubahana nta no gusamburana bibamo ubu ndafise inyana yayo na nyina wayo eje kuwa kabiri abana babiri niho bazoza kugabana batwara irya shuri kuko nta matungo ndosigarana ndumwe ntahaye kubibona abandi barindire inubira divizi kabyara ndoza ndaha abana bamwe bamwe uwavamwo nandi ndisigire maintenant si accord arrive à mieux gérer le supplément que les familles recherchent c'est une bonne chose ça va permettre le développement et ça va créer une dynamique de légiférer pour que justement les biens de la famille soient gérés de façon légale et pas de façon informelle, que ce soit au niveau uniformisé au niveau du pays. Même si la question de l'égalité successorale paraît délicate, la population locale reconnaît qu'une fois mise en pratique, elle procure des avantages aux bénéficiaires. Ikintu nyamukuru yimaze gutorana hariya mu muryango iwanyu urabona ingo z'ubuziragoye none umaze gutorana ucyuze kubaka inzu hajya muhira urugo rukunaniye ugacya wicara hajya nta nkurikizi ibihari ndingaha kubazuki wanje ndadandaza mwanza nkarangu nkufunde nkashora gafunda dandaza imise nkarangura urumva simbura igihumunyisha nk'umwana wanje agwaye ndamenye ikintu ndamuvuza Ubwo bitamutera amahenya bimuhagateka iyo agiye kurongo kuko baramukunda cyane bavuga ati aho twamukuye harabaho ntibingana no kumenga umengo bamutuye mu ishyamba basimbutse bimutuma iyo agiye kurongorwa naho bamukunda gusumba kirabungura nyine aronse aho hantu bakaronka icyo ki aho hantu iryo tongo akaronka n'ibindi tongo y'umugabo bimuha gukunda nabo babyeyi bagakunda n'abasaza Certes, le travail de sensibilisation fait par accord sur le genre, la succession, les régimes matrimoniaux, les libéralités sur la gestion équitable des biens a été d'une grande importance dans l'éveil de la population et de la mise en application de la loi sur la succession. Mais ces avancées ne doivent pas cacher des insuffisances structurelles conjoncturelles et relatives auxquelles les structures tant publiques et parapubliques doivent s'attaquer pour s'assurer de la possibilité de son adoption et de sa promulgation. Mushikanje amaze kunyuba kuba kiri umwana muta kanywa akangamburukira data gashinga itegeko simvuguruza ako ntitunganye icyo ni kibaho kuba mfise aho mpa abana banze bose abahungu n'abakobwa ni byiza kandi n'umugabo wo mukobwa aranezeye kuko uwo mugore wiwe arose ikivi iwabo nde wa mwana nawe umwigeme yagiye kurongorwa ku muntu ku mugabo atafise se naho yoba afise se uwo se yamubyariye mu nzu y'inkotano cyangwa mu gaprote adasura ku mako n'akano gatoya hamwe umugabo yotse afata ingingo yo kumwirukana kuko adafise ibyo azotorana iwabo agatsa azana arondira uwundi mugore agira kabiri afise ibyo azotorana iwabo bizogenda gute kubera ko hariho iyi zone yacu irimo abantu bava mu ntara zitandukanye ntibashoboye guhinduka bose kubera inyigisho zabaye biravana mu ntara n'iyindi ubwabo umugenzo uvuga uri Makamba ni burusa nusanga ari umugenzo uri uri Muyinga cyangwa uri Mbozi gutyo biravana n'ahantu hariho mugabo kome rarwaye generali igihe leta yoshinga itegeko ryo kwisunga mu gihugu cyose agenda neza La mise en application du principe d'égalité successorale constitue la garantie d'une bonne gouvernance.
Mais il importe qu'une loi sur la succession soit adoptée et promulguée pour permettre aux instances juridiques habilitées et différents acteurs intéressés par la justice sociale de travailler sur une loi claire. Cela éviterait l'usage de la jurisprudence qui, une fois mise en pratique, dépend souvent de la sensibilité des régions et des hommes de loi. Ndiyumvira amashyirahamwe yakorana na leta none mu gihe ibi bintu biri kwigwa none leta ndiba yamaze kurekura amashyirahamwe ati niyagende yigishe abantu nkuko nayo nyine bibishaka urumva nayo nyine iri gushiramo ingufu kandi abantu nabo nkakume navuga ubwa mbere iyo nk'ibi byigwa twigishije itegeko rimaze gushikerega turi kubivuga ariko ni nk'umugani kubera leta ndirashigikira kugira ngo abantu babone ku bintu bikomeye kanje ico mbona nuko leta yo binyarutse iryo tegeko rikabaho ndavugisha ukuri kuvyo niyumvamo jewe urabye ukuntu abana barira iyo umuvyeyi asigiye ingorane nuko biragenda nabi kandi hakabimo imburano nyinshi mbere no kwicana bikabamo je gituma rero ko leta nayo yarinze ibyiyumvira yo bishira mu ngiro ubisanzwe yakwitegeko nyitsina tukareka kwisunga umugenzo cyane tukareka kwisunga ubwiza shingiro hoho ngo aragisunga iminsi yose kandi kwisunga aya masezerano ni byiza nabo nyine mugabo hari itegeko rivuga bati iri ni itegeko rigenga ugutorana kiyofasha cyane. Le gouvernement Modi a ratifié la CEDEF, la Convention contre la discrimination à l'égard des femmes. Et il faut qu'aujourd'hui, ils fassent une action d'introspection pour voir où ils en sont et pourquoi ils ne font pas ça. Ils ne font pas cette loi égalitaire. Parce qu'il y a même un rapport, je crois que le 5e et le 6e qu'ils vont présenter en juin, on va leur poser la question. Il faut qu'aujourd'hui, ils essayent quand même d'y aller avec une loi pour montrer quand même qu'ils ont géré équitablement la société. Tous ces défis, quoi qu'ils soient difficiles, ne sont pas insurmontables. Des opportunités existent et sont toujours à saisir. La société civique reste mobilisée, le soutien des médias et des partenaires internationaux, l'ouverture au changement de certaines autorités publiques, tout ce monde-là, peuvent contribuer carrément à l'aboutissement de son processus d'adoption et de promulgation de la loi sur la succession, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Abo batarabyakira urabona nta mwonga uburi sato bitaronde nabantu batarabona kure batarabona ingaruka mbi z'abana hajye umuntu ababyeyi bamaze guhera nayo abantu bamaze kumva ingaruka mbi barabivuga mu maradiyo tahanaka batemaguranye icyo kintu ntibotisira mu bo bagaburira hakiri kare bataratemana twose abayuko bo bisira hejuru bakabisira mu maradiyo bikumvikana rwose n'uwo atarabagaburira agasobora kubyumva tegome barabivuze yuko umukobwa asubiye gutorana iwabo kandi nahanaka yarasubiye kugaburira abana biwe barakwigwa kandi ubu mukobwa wiwamerewe neza naho yoho yahukana arasika hajya mu muryango kwa se yubakabayo ubu rero twosaba ko uwo mugambi mwongerereza ingufu kugira ngo tubandane akoro n'ukuri iragahoraho yaragize icimara n'ubu mubona bishoboka muyongerereza ingufu dusabye ko ababijejwe muyongerereza ingufu tukabandanya kugira ngo turabe ko izo ngorane zigabanuka. Accor est convaincu que l'adoption de la loi contribue à asseoir une justice sociale au niveau de Burundi, une justice sociale qui est même la devise de Accor. Donc, Accor est engagé à continuer à travailler pour que la loi soit adoptée. Et maintenant qu'on a déjà des bonnes pratiques qui se remarquent,
on va utiliser ces bonnes pratiques pour continuer à sensibiliser les gens qui ont toujours des pères autour de cette loi, pour qu'ils trouvent des modèles qui sont là et que la loi ne cause pas de problème. Qu'ils aient le courage d'avancer. Ils défendent une cause noble et la cause noble demain, l'humanité et les générations futures, elles seront prêtes.